Hello, bonsoir, balao, bon dia. Ce soir, je vais vous conter l'histoire du petit lapin, de la baleine et de l'éléphant. Que va-t-il se passer? Au bord de la mer, un petit lapin s'amusait à faire des cabrioles sur le sable fin. C'est sympa. Il voit tout à coup Monsieur éléphant et Madame baleine en grande conversation. De quoi parle-t-il? Ils se cachent sous un buisson et les écoutent. Cher éléphant, dit Madame baleine, tu es le plus fort des animaux qui vivent sur la terre. Et moi, je suis le plus gros des animaux qui vivent dans la mer. Si tu veux, nous pouvons nous unir pour commander le monde. Alors, personne ne pourra nous résister. Folie de grandeur Voilà, en et de grande pouvoir. conversation. Ton idée est bonne, Madame Baleine. Je suis d'accord, répond Monsieur éléphant. Mais le petit lapin, lui, n'est pas content. Il ne veut être commandé par Personne personne. indépendant. Exactement. Il part chercher une grosse corde, très longue et très solide, prend son tambour et deux baguettes et cache le tout derrière un buisson. Puis, il va trouver Madame Baleine. Ah, Madame Baleine, toi qui es si forte, peux-tu me rendre un grand service? Ma vache s'est enfoncée dans la boue à quelques mètres d'ici. Je suis trop faible pour l'en sortir. Tout seul. Mais pour toi qui es si forte Forte. et si aimable, ce sera très facile. Flattée, Madame Baleine dit oui aussitôt. Bien sûr. Le petit lapin lui explique gravement. Alors, j'attache à ta queue le bout de cette corde, et à l'autre bout, autour de ma vache. Et toi, Quand tu tout tires. sera prêt, je battrai du tambour. Tu devras tirer de toutes tes Tes forces, forces. car ces quatre pattes sont retenues dans une boue Bouh, pas très possible. épaisse. Ne t'inquiète pas, petit lapin. Je sortirai ta vache, même si elle est enfoncée Je jusqu'au sais. cou. Voilà ce que le petit lapin est en train de faire. Ben, il est malin, lui. Oh, il est malin. Alors, bien sûr, le petit lapin part en sautillant tout heureux. Il va trouver Monsieur éléphant. Ah. S'il te plaît, Monsieur éléphant, puissant éléphant, veux-tu venir à mon secours? Que veux-tu? Demande Monsieur éléphant. Ma vache s'est enfoncée dans la vase à quelques mètres d'ici. Et je ne peux l'en retirer. Je suis sûr que ce sera facile pour toi, toi qui es si fort et si gentille. Certainement, mon petit ami, me répond Monsieur éléphant avec amabilité. Alors voilà, dit le lapin. J'attache le bout. Pardon. Regardez, Monsieur éléphant qui est tout à fait d'accord. J'attache le bout de cette longue corde autour de ta trompe et à l'autre bout, la corde autour de ma vache. Et dès que tout sera prêt, je battrai du tambour. Alors, tu tireras aussi fort que tu pourras. N'aie pas peur, dit Monsieur éléphant. Même si ta vache était 10 fois plus lourde, Je la moi, sortirai de Monsieur là. éléphant, je la sors. Voilà pour ce soir. Tout le monde a promis, bien sûr, de tirer la vache de la boue. Alors, je vous dis On bonsoir. fera la suite demain. Demain, la suite. Et bonne nuit à tous. En attendant. En attendant, il faut faire dodo, les enfants. Alors, Dodo. dodo en pyjama. Bonne soirée et gros bisous à tout le monde. À demain!